Gérard Talman prend le pouvoir sur Vibe Radio dans Génération Vibe.0. Ciao, bienvenue, ça va? Ça va super bien. Ah bah si génial. Ça va chez vous et chez tous les auditeurs de Vibe Radio. Le nouveau son, c'est ça, hein? Le nouveau son, le real sound. Exactement. Voilà, de nous, c'est, on sait que ça va aussi chez moi. Voilà, tranquillement. En tout cas, on est très très content de te recevoir. Écoute, une fois de plus, bienvenue. Bah, plaisir partagé. Plaisir partagé. Bon, j'espère que la journée s'est globalement bien passée, non? Pourquoi pas? Bah, oui, alhamdoulilah. La journée s'est très bien passée. on a fait le taf et là, on est tranquillement, quoi. Ce soir pour taffer autrement aussi. Ouais, c'est important. Voilà. Qu'est-ce que tu as dû déjà manger en termes de goûter c'est quoi Bon, côté goûter, j'ai pas pris. J'ai rien pris parce que j'essaye de rester slim. Ouais, c'est ça. Mais par contre, j'ai mangé de la loco avec une cuisse de poulet digne de la cuisse de Gedegba Martin. Non, c'est Gedegba Martin. Non, Gedegba Ignace. Pour la nouvelle génération, Gedegba Ignace était un défenseur coriace. Défenseur ou attaquant déjà, c'est plus non, tellement. Je crois que c'était un défenseur. Si dans je les me années très bien. Dans les années 80, il était à l'Africa Sport National. Exactly. Voilà. Ouais. Donc je suppose en même c'est temps que moi n'était pas Africa, mais bon. Ah. En tout cas, non, c'est ce que je il y avait remarqué que le vieux avait des cuisses. Il était prêt. Ah, il était prêt. Voilà. Alors, Chao, cette fois-ci, c'est faut me donner ça. Ouais. Qu'est-ce que tu veux qu'on te donne exactement? Bon, écoutez, faut me donner ça, c'est tout simple. Dans ma chanson, mon single L'homme de ta vie, j'avais dit, si tout le monde se souvient, l'homme de ta vie, si tu veux l'attirer, faut savoir te comporter. Voilà. Et, stop de donner le way. Exactement. Donc, je parlais à toutes les belles femmes vertueuses qui sont accrochées à leurs valeurs. Je leur disais, écoutez, vous êtes belles, ne vous laissez pas blaguer par les hommes, parce qu'ils viendront vous promettre plein de choses. Donc, gardez votre oui pour l'homme de votre vie. Et elles ont su garder leur oui. D'accord. Ou du moins, elle a su garder son oui, la femme vertueuse. Exactement. Et maintenant, l'homme de sa vie, elle a su se comporter. Donc, elle a su l'attirer. D'accord. Il est donc là maintenant. Il lui demande de lui donner le ça. Le oui. Il lui demande de lui donner ça. Oh ben maintenant, voilà. Ça, c'est quoi? Mais c'est simple. Voilà. Ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Les gars, vous comprenez quelque chose? C'est un grand rhétoricien, Chao. Ouais, on n'a pas le choix, là. Il nous emmène dans des trucs, là, on comprend rien, mais bon. No choice, man. Ben voilà, on est avec Shaolin sur Vibe Radio Nouveau Son. Du coup, le gros buzz que ça a suscité sur les différents réseaux, les gens disaient, bah, tiens, Chao est venu, il nous a donné, à ces jeunes filles, à ces jeunes femmes-là, il a donné des conseils, et puis maintenant il vient, il nous redit, bon, tiens, faut donner le way. Du coup, on comprend rien, quoi, tu vois. Ouais, bon, c'est vrai que beaucoup de gens n'ont pas tout de suite compris, mais après, bon, c'est faut écouter. Moi, je dis très souvent, faut aller en eau profonde quand on écoute une chanson. Voilà, il faut pas rester à la surface parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Voilà, derrière certains thèmes ou termes qu'on utilise, il y a tout un sens qu'il faut essayer d'approfondir, de percer et de rester là à dire non de façon superficielle. Voilà. C'est ça. D'accord. C'est ça. Et donc cette chanson, justement, il y a une première version qui est ta version à toi, tout seul d'ailleurs. Et il y a une deuxième version remixée cette fois-ci avec Suspect 95. C'est ça. Pourquoi justement ce choix là? Bah, ce choix tout simplement parce que, comme j'ai pour habitude de le dire, c'est un jeune frère que j'apprécie beaucoup. Je le dis à qui veut l'entendre, désolé, j'aime beaucoup de rappeurs ici sur la place, mais lui, en Côte d'Ivoire, c'est mon rappeur préféré là en ce moment. Et quand j'ai appelé le jeune frère, il l'a accepté sans du tic au tac, hein, voilà, sans me prendre la tête comme l'auraient fait certaines autres personnes que je ne citerai pas ici. Bien évidemment. Voilà, il a été vraiment humble, il a fait preuve d'une modestie sans précédent. Et vraiment, ça a été super. On a déchiré au studio. Il a. Waouh! C'est quoi justement la petite anecdote Suspect 95 qui vient sur un beat aussi soft là, comme ça, invité par Chao? Ça a été quoi? Qu'est-ce que tu as retenu justement de cette séance de studio avec lui? Qu'est-ce qui t'a marqué particulièrement, évidemment? Ce qui m'a marqué particulièrement, c'est sa spontanéité. D'abord, la spontanéité.
quant à l'acceptation du projet. Mmh. Et en plus, il m'a dit, ah, lui-même, il y a longtemps, il attendait un truc comme ça. Parce que généralement, tu vois, les gens ont eu tendance à le cataloguer un tant soit peu. Mais là, il attendait une opportunité comme ça pour montrer de quoi il est capable autrement. Toute l'étendue de son talent, toute la palette de son talent, justement. Et au studio, on arrive, le gars, il n'avait rien écrit, hein, tu vois, il n'avait rien écrit. Il m'a dit, mon vieux, on va faire au feeling. Il a voulu écrire des trucs, mais après, il s'est dit, mon vieux, on va faire allons-y, quoi. Donc, on arrive au studio et... il demande à Momo Wang de lui mettre le son. On met le son. D'abord, c'est le premier cri qui m'a fait rire. Il fait ah. C'est son truc là, justement. Oko, quelque chose, Oko Sisi. J'ai dit, mais petit, qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème avec nous? Il dit, non, mon vieux, c'est le feeling. Et puis bon, voilà. Comme on le dit, Abidjan, c'est rentré dans son corps, ça a duré dans son corps. C'est le premier truc qui m'a laissé comprendre qu'il y aurait une belle ambiance, il y aurait quelque chose d'intéressant. Et puis c'est ce qui s'est passé. Voilà, il a déchiré sa race tout simplement. Voilà. Ben c'est ça. Et puis aujourd'hui c'est dispo hein, sur les différentes sur les différents réseaux, les différentes plateformes. Les deux versions, la version avec Shaolin tout seul, la version avec Suspect 95. Bon, aujourd'hui, je sais pas laquelle des versions là on a, nous, dans le freestyle, on va voir. Bon, les gars, je vous dis, moi je connais Shao. Je sais qu'en termes de rap, il n'y a pas de souci avec lui. C'est le mec partout, tranquillement. Écoutez, on va essayer, hein, c'est pas évident du tout. C'est ça. Il va se la raconter. Parce que non, sérieux, parce que le truc, c'est que Suspect, le petit, il a un flow. Il a un flow de ouf. Le jeune frère, il a un flow de ouf. Donc franchement, si jamais on tombe sur la version remix avec Suspect, je vais essayer de l'imiter. Mais c'est pas très évident. Parce que le jeune frère, il est prêt. Shao sur Vibe Radio, le nouveau son. Alors, Shao, aujourd'hui, la plupart de tes fans que j'ai eu à sonder, puisque je savais qu'on avait rendez-vous aujourd'hui, quasiment unanimement disent, tiens, nous attendons avec impatience un live de Shaolin, quoi, tu vois, dans une grande enceinte ici à Abidjan. Parler de la culture, voilà, un minimum, quoi, tu vois. Est-ce que ça est dans les tuyaux? Est-ce que tu travailles? Est-ce que ça fait partie des grands projets, par exemple? Oui, absolument, absolument. J'y travaille avec mon staff. Et Colbert Prod, évidemment. Colbert Prod. Qui est géré de main de maître par celui-là même qu'on appelle le général Colbert, 45 étoiles, s'il vous plaît. Exactement. Voilà, donc. Il est bon, on a Talakou aussi, rassurez-vous, Shao. Voilà, donc on y travaille, on est en train de peaufiner le projet tout doucement parce que vous savez, j'aime si bien le dire. Allons-y doucement parce qu'on est pressé. Voilà. Donc, stay tuned because something real, something very interesting is going to happen. Seigneur. Pourquoi ils ne vont pas parler anglais, oh? Non, Gérard, vous battez à jouer, moi. On se connaît. Les gars, Shao, continue.